choisir ce qu'on va manger pendant 24 heures. Donc ici, c'est écrit des aliments dans ces enveloppes. Comme par exemple, il peut avoir... On peut dire quoi? Je vais déjà commencer, je vais prendre cette enveloppe. Et je vais avoir... pizza. Pizza. Du coup, je vais aller prendre mon téléphone. Alors là, je vais aller sur TikTok. J'écris pizza dans la barre de recherche. Après, je dis 10 Siri. Choisis un chiffre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 10 font 5. Il m'a donné le chiffre 5. Du coup, je vais aller sur TikTok. J'ai mis barre de recherche pizza. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième TikTok va nous aider. J'espère que vous avez compris. Et bien sûr, le petit bémol, c'est que tous les plats sont mélangés. Donc, par exemple, au goûter, tu auras une pizza comme Elina. Ou soit pour le dîner, tu auras le goûter. Bon, enfin bref. Et aussi, j'ai une petite annonce. Si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne YouTube Amelinka. N'hésitez pas à y aller voir. Il y a déjà des vidéos. Et les vidéos sortent tous les mardis et vendredis à 16h. Donc, n'oubliez pas. Et on peut trouver où la chaîne YouTube? Dans le petit ou dans la description? Dans la description. Et là, une nouvelle vidéo, je vais vous la mettre en description. Du coup, moi j'ai la pizza, on va refaire. Dis Siri, choisis un chiffre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 10 font 1. 1, il m'a dit 1. Donc c'est le 1. Celui-ci. Regarde le TikTok. Donc on a besoin de la pâte à pizza. En fait, il faut le mettre dans le truc à gaufres. Ils ont préparé la pizza avec une machine à gaufres. J'ai jamais essayé ça. On va voir comment ça va faire. Hein? Oui. J'ai besoin d'une machine à gaufres, je l'ai chez moi, de la pâte à pizza, j'en ai je pense. On va mettre du fromage et du salami, comme ils ont fait sur la vidéo. Et par dessus, il faudra remettre une pâte. S'il y a un truc que j'ai pas, il faudra que j'aille au magasin. Voici la pâte, elle est petite du coup, elle avait fait une pizza entière. Nous, on va faire juste un carré comme ça, voilà. Genre on va le mettre comme ça, on va le fermer. Elle avait des pepperoni, moi j'en ai pas du coup, j'ai pris du salami. 1, 2, 3. Je sais pas comment faire. Bien tenir en haut là, bien tenir là. Du coup on va faire moitié-moitié. Alors, attends. Bien sûr on s'est lavé les mains. Oui on s'est lavé les mains juste avant. Il faut que tu le remets bien. Alors là tu tiens, d'accord? Ah ça me... oh ça me dégoûte. Ok bien. Ok, ça, là c'est bon je crois. Ah on peut les tirer en plus. Ouais on peut les tirer. Là j'ai la sauce tomate que je vais mettre ici. Hop là. Je vais mettre encore le fromage. Elle en a mis beaucoup 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 jusqu'à ce que ça coule carrément. C'est là nous. Non bah elle en a mis vraiment beaucoup. Comme ça je pense que c'est assez. Là on va mettre le salami, on va le mettre à moitié comme ça. Hop là. Hop là, du coup là on va le fermer. Et attendez. Et on ferme. La pousse super fort. Alors elle a coupé la pâte autour, du coup je vais faire la même chose. J'espère juste que ça sera bon en fait. Parce que j'ai faim. Hop là, je vais juste appuyer fort pour que ça se ferme. Ça a l'air bon, regardez vite fait. Par contre là ça va dégouliner de partout. Moi je pense que la pâte elle peut pas être si près, du coup on va attendre encore 5 minutes. Ouais, on traîne en fait. Mais tu peux pas mettre un truc dessus pour que la tourne. Bah tiens, puis. Oh thanks. Ouais. Ça coule comme chez elle, le fromage là. Alors je vais débrancher la machine. Et regardez. Tadam! Je pense qu'elle est prête. Ah ben, en plus, je l'ai tournée, bon. Je l'ai tournée une fois, du coup, voilà. Alors. Ah ouais, chaud. Désolée. Ça, en fait, c'est chaud. Oh, mais ça sent vraiment. Ça sent très très bon. Très. Alors, je pense que je vais couper les morceaux. Non. Non. Non, en fait, on va laisser comme ça. Alors. Là, on va couper. Alors ça c'est mon repas d'aujourd'hui, mon petit déjeuner. Hop là. C'est comme ça dedans. Je vais pas rajouter. On va le couper comme ça.
C'est un problème, mets le bout. Quoi? Prends le bout pour goûter avec moi. Regardez. Toi, ça t'a fait comme un dîner quoi. En pro. Ah, c'est trop bon. Trop bon, mais en fait, elle avait du fromage qui coulait et moi j'en ai pas. C'est dommage. Bah, c'est très bon. Mais il a coulé, le fromage. Il a coulé. Du coup, je valide. N'oubliez surtout pas de mettre un like et de vous abonner. Je vais choisir celui-ci. Celui-ci. Goûter. Et ouais, moi j'ai de la chance. Comment ça t'as de la chance? On est au petit déjeuner alors. J'ai pas très faim. 10 Siri. Choisis un chiffre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 6. C'est 6. 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va vous montrer. Alors c'est écrit goûter en haut, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est celui-ci. Oh, ça a l'air trop bon. Il y a quoi dedans? On dirait un tacos. Des bananes. Bananes. Ok, vous pouvez couper. Du Nutella. Des bananes. Fermez. Oh. À la poêle. Et après tu... Mais ça a l'air facile. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon, mais moi j'aime pas trop le Nutella. Donc moi il me faut du Nutella, des bananes et comment ça s'appelle là? La pâte. Ben, la pâte. Oh. Donc j'ai une banane. Alors, ici. Si j'arrive à le sortir. Et le Nutella. Bon, voici ma tortilla. J'ai enfin su comment ça s'appelle. Le Nutella, la banane et je vais la couper. C'est tout comme TikTok. D'abord on coupe la banane. Après on va mettre la tortilla ici. C'est compliqué. Mettez des plus en commentaire si vous aussi vous aimez bien ouvrir le Nutella comme ça. Ah, j'ai dit ça après. Et maintenant on met les bananes. Hop. Lui, je sais pas comment il a plié. Bon, on va faire à ma façon parce que lui il a plié d'une façon bizarre. Voilà. On va attendre que la poêle elle se chauffe. On va laisser comme ça. A few moments later. Donc, hop, c'est prêt. Hop là. Donc, on va goûter ensemble. Alors, Amélia, t'as réussi? Oui. Regarde. C'est bizarre, on voit le Nutella et la banane ensemble. C'est trop cool. C'est chaud. Viens prendre une note. Vas-y. Par exemple, ta pizza, c'était combien pour toi? Pour moi, c'était 8 ma pizza. Et toi? Pourquoi? C'est parce que c'est pas, ça avait pas vraiment le même goût que la pizza quoi. Là, ça c'est 10 sur 10, c'est trop bon. Tu veux goûter? Ouais, juste un morceau. Mais il t'a tout sorti? Non, non. Ça va. Pas ouf, mais ça va. Mais il y a tout qui tombe, c'est ça. Je donnerai un 6 ou 7. Non, moi 10 sur 10. 10 sur 10, c'est trop bon. Et toi, pour ma pizza, tu vas mettre quoi? 8. Je mets 8 parce que bah, y avait pas assez de fromage. Ouais, j'avoue. C'était un peu sec. Oui. J'espère que vous n'avez pas oublié de mettre des likes. C'est juste pour vous rappeler. Du coup, je vais voir qu'est-ce que TikTok va me choisir. Je vais prendre ceci. Et c'est écrit une boisson pour le midi. Non, mais en vrai, la pizza c'était bien le petit déjeuner. Donc en vrai, une boisson ça va. En plus, j'ai un peu soif. Dis Siri. C'est le mien. Dis Siri. Ah, dis-le toi. Dis Siri. Choisis un chiffre. Dis Siri. Choisis un chiffre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 10 en 7.
7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sorti ça. Et c'est quoi? Je vois pas. Ah, c'est du bubble tea. Ouais, j'aime trop bubble tea en plus. On devra aller l'acheter en ville. Oui. Qu'est-ce que je vais manger pour ce midi? Je vais prendre cette enveloppe. Burger. Bon bah aujourd'hui j'ai de la chance. Oh, burger c'est trop bien parce que dans TikTok il y a beaucoup de burgers genre spécial avec beaucoup de fromage, beaucoup de sel, trop bon. Mmh. Du coup, dis Siri, choisis un chiffre entre 1 et... Choisis un chiffre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 10 font 8. 8. TikTok, je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peking burger. Ah, je connais cette trend sur TikTok. Ah, mais je n'aurai pas de burger. Je suis obligée de faire ça. Voilà, la trend. Mais la trend. Ah, la trend avec le filtre. Ouais. Baking burger. Ah, tu vas pas manger. Presque. Vas-y. T'as perdu. Ah, tu dois le faire jusqu'à que tu arrives. Non. Ah. Ah mais j'espère que t'as bien mangé. On y va. Ouais, j'ai bien mangé. Mon ventre continue à gargouiller. Tu pourras me laisser goûter ton bubble tea. Peut-être. Du coup, je suis allée avec Daniel. On en a acheté un pour lui et un pour moi. Et on va goûter ça. C'est litchi et pastèque. Ils ont interdit de filmer là-bas. Du coup, on n'a pas pu s'asseoir là-bas. Et on est dans la voiture, c'est pour ça. Du coup, c'est super bon. Moi, j'aime trop la pastèque en plus. Je valide, c'est trop bon. Et toi, Daniel? Trop bon. Regardez les bulles. On voit un petit peu les bulles. Et voici ce que mon père l'a acheté. C'est super beau, j'aime trop la couleur. Et je sais pas ce qu'elle veut. Ah, tu peux en prendre. Je sais pas. Tenez. C'est mangue et framboise. C'est très bon aussi, mais c'est beaucoup sucré. Alors on a très faim. Bon, moi j'ai pas mangé donc j'ai plus faim. Et Lina elle a juste bu. Oui, du coup ben, on a faim maintenant. Et je vais choisir. Vas-y, on ouvre en même temps. 3, 2, ben allez. 3. Attends, mais elle ouvre déjà. Allez, elle compte. 3, 2, 1. Rouleau. Merci. C'est bon, je peux pas le voir. 4. Oh non. Ah ben non, attends, d'abord on va voir sur TikTok. Alors moi c'est rouleau, je sais pas c'est quoi comme rouleau. Je sais pas qui, mais attends. Rouleau. Dis Siri. Dis Siri. Choisis un chiffre entre 1 et 10. Dis Siri. Choisis un chiffre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 10 font 7. 7. 7. Alors on va aller sur TikTok. On va mettre. Allez. Alors on va mettre rouleau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, alors les crus. Attends. Il faut le mettre en rouleau, il faut le couper et mettre dans une assiette. On met du sel, du fromage. On le met au four. Et après, ça fait des rouleaux comme ça de pizza. Je vais encore manger de la pizza. Mais bon, je m'en fiche parce que j'ai un peu faim. Dis Siri. Choisis un chiffre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 10. KFC. Donc c'est 1. Donc là, il y a un burger au chicken. Je mets le chicken dans une poche. Je lui mets de la sauce dessus. Après, je secoue. Et je suppose que le chicken, on va le remettre dans le burger. Bon, bah, ça a l'air bon. Mais même si c'est un petit peu lourd pour le goûter, mais j'ai très faim vu que j'ai pas mangé. Donc on y va. On y va au KFC. Donc on y va. Donc il faut un chicken. Donc j'ai dû prendre un menu parce qu'on pouvait pas prendre de sauce. Et aussi une poche avec ça pour mettre le chicken à l'intérieur et secouer.
Bon, le fromage, je peux rien y faire, il est collé. Dans chaque pays, il y a différents types de burgers. Et maintenant, on va mettre la sauce. Je sais pas si j'ai pris la bonne, mais au moins, c'est une sauce. De partout, je suis obligée de faire ça. Ok, bon, le life hack, j'y arrive pas. Attendez, bon, j'en ai pas mis partout, mais au moins j'ai fait ce qu'il fallait. Alors, ah, c'est bon, je vais goûter. Oui, mais j'ai pas compris la différence, mais bon. Pizza congelée, du coup je l'ai mis au micro-ondes pour décongeler et la voici. Alors on va le prendre, on va le tourner comme sur le life hack de TikTok. Bon, ça se casse un peu hein. Donc voilà ce que ça a fait. Maintenant je vais couper. C'est très beau, regardez. C'est comme sur la vidéo, c'est tout mon rouleau. Pour faire ça, on va mettre de l'huile d'olive. Voilà. Et on va mettre autour comme elle a fait. Bon, c'est pas super beau comme elle, mais bon. Mieux que rien. Voilà, elle est comme ça. Elle avait mis du origan, du coup je vais mettre aussi, attendez. Et je vais mettre du fromage. Alors on a mis beaucoup. Surtout par-dessus en fait. Comme ça. Il y a beaucoup de fromage aujourd'hui en fait. Et voilà, on va mettre au four. Alors regardez comment le fromage il est tout croustillant, ça se voit. Du coup, je vais le mettre ici. Hop là. Alors regardez comment c'est super bien fait. Je vais goûter. C'est bon. Attends, c'est chaud. C'est trop bon. Trop bon. Yum. Mais c'est chaud. Alors déjà c'est un peu plus bon que ceux que j'ai fait au gaufre, je trouve. Du coup je vais donner la note de 9. Ah ouais, on a oublié de mettre des notes. Ouais. Et après on a le dîner, on pourra noter là-bas. Ah oui. Tu notes combien? Moi j'aime bien, donc une note de 9. Ok, parfait. Burger King c'était bon hein. Ah moi j'aurais Burger mis Burger King, KFC. Ah KFC. Ah moi je mets une note de 5 parce que j'ai pas pu mettre assez de sauce. Et même c'était pas vraiment une technique incroyable en fait. T'aurais pu mettre la sauce. Il y a quand même de la sauce, il y a quand même... Ouais voilà. Donc voici le choix ultime, c'est le dernier repas et c'est moi qui a ce choix. Du coup je vais choisir le violet, parce que c'est ma couleur préférée. Ok, on regarde en même temps. 3, 2 et 1. Glace. Sushi! Ouais! Oh, moi j'ai une glace. J'aime trop les sushis. Yeah, c'est trop bon. Dis Siri, choisis un chiffre entre 1 et. Choisis un chiffre entre 1 et 10. Ok, voilà ce que j'ai trouvé. Dis Siri. Dis Siri. Choisis un chiffre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 10 font 2. C'est 2. Donc je mets glace, 1, 2. Donc j'ai des mochis. Oh, c'est beau. C'est beau. Presque, peut-être. Ah, on va voir, tiens. Bon, ben moi j'ai des mochis. Bon, de toute façon, c'est pas grave parce que j'ai presque plus faim parce que j'ai assez mangé pour le goûter. Donc là, j'ai des mochis et j'adore ça. Et le problème, c'est que faut que je le trouve parce que c'est compliqué. Oui, on a un magasin asiatique. Et ça s'appelle quoi? Je m'en rappelle plus. Mais on va voir parce que moi aussi, je devrais y aller pour mes sushis. Mais d'abord, je choisis le chiffre. Dis Siri, choisis un chiffre entre 1 et 10. Un nombre aléatoire entre 1 et 10 font 7. 7 encore. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez. Et
les... C'est à part. Il n'y a même pas de riz. Tu sais, il y a du riz là sur le côté. Tu vois pas? Bon, en fait, elle prend de, ben, le truc vert là et après elle met le saumon dedans. C'est bizarre, on va goûter, mais jamais goûté comme ça. On va voir comment ça fait, si c'est comme si c'était des sushis ou alors c'est un goût différent. On va voir ça. Du coup, moi aussi, je dois aller au magasin et on y va. On y va ensemble. On est arrivé, je vais acheter mes mochis. On n'a pas pu se retenir et vu qu'on adore les, la nourriture asiatique, on a acheté tout ça. On a trouvé les mochis. C'est trop bon. Non, bah, ça a l'air bon. C'est la fraise. C'est la mangue. Moi, je trouve ça bon. Du coup, j'aime pas trop tout ce qui est à la fraise, genre les yaourts, le lait ou même les glaces. Mais celui-ci, en vrai, ça va et je vais goûter mangue. Mangue, c'est trop. Mais goûte la fraise, toi. Je préfère celui-ci, trop bon. Non, moi je préfère mangue, c'est trop bon. Alors voici, j'ai acheté saumon et des algues. Donc elle met comme ça, elle prend le saumon, elle le met là. Et dans la bouche. En vrai, c'est bon, mais c'est mieux avec du soja. Tu veux goûter? Mais ça de bon. J'aime pas ce saumon. Pas grave, mon fou. 3. Amel, c'est bon, t'es prête? Vas-y, non, c'est bon, moi j'y arrive pas comme ça. Moi c'est bon, mais moi je dirais du soja, ça serait plus bon. Même du soja sucré, moi je préfère le sucré. Et vous, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous préférez le soja sucré ou salé pour vos sushis. C'est bon, moi je vois pas de différence sucré-salé dans le truc de soja. Après, c'est bon, mais j'aime pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme on vous avait dit au début, bah, tout allait être mélangé. Du coup, moi pour mon goûter, j'avais eu un peu un dîner, un repas. Toi aussi, Amélia. Du coup, bah, en vrai, c'était bien, en vrai. Moi, j'ai bien aimé ce challenge. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez une deuxième partie même. Moi aussi, j'ai bien aimé cette vidéo. Donc, n'oubliez surtout pas d'aller voir ma chaîne Amelinka et aussi de vous abonner... ici à Amelinakis. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.